la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, j'ai une petite idée avec Myriam. Vous voyez, elle s'est mise tout en rose. Moi, je me suis mis en blanc et noir. J'ai du violet. Ah oui, désolé. Explique-leur, c'est quoi le concept d'aujourd'hui? En gros, on va aller dans un fast-food ou un restaurant et on va commander tout ce que la personne d'en face commande. Et du coup, on va demander au monsieur. Donc, c'est pas nous qui allons décider ce qu'on va manger selon ce que la personne mange avant. Attends, mais imagine, elle prend un truc dégueulasse. Ah bon, on sera obligé de manger, Myriam. Bon, on y va? Les gars, je sais pas quel basket prendre. Vous connaissez, moi, je m'habille toujours maillot de foot. Pourquoi je mets toujours des maillots de foot? Parce qu'en fait, ça sent bon, c'est agréable. Ouais, ouais, vas-y, en fait, t'aimes trop le foot, c'est tout. J'aime trop le foot. Je sais pas quel basket mettre. Soit je mets les Asics avec le bas noir. Soit je mets les TN blanches. Oh, super incroyable. Belle. Soit je mets ceux-là, ce que je kiffe. Nul, c'est que, hein, ceux-là, ce que je kiffe. Tu fais ça. Hop. Mais c'est nul. Ou soit je mets des running. Ou alors j'ai d'autres TN aussi. J'ai d'autres TN. Où je mets ça. Oh, mais c'est TN là, mais c'est TN là. En vrai, Myriam, je te jure, je préfère le confort. Je vais garder celle-là en vrai. Quoi? Ouais, ou alors je mets ça. Hop, 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 avant que vous partez, ne trichez surtout pas, je vous ai à l'œil. Non, on triche pas, Yacine, t'inquiète pas, tu nous connais. Ok. Qu'est-ce qu'elle me veut? Ouvre la porte. Est-ce que je peux monter devant? Y'a pas Yacine? Tu veux monter devant? Ok, vas-y, tu peux. Tu peux conduire? Non. Là, on va à la boulangerie. J'espère vraiment que ça va pas être une baguette de pain. En sachant que j'ai vu un petit rentrer, ça veut dire que tu vas commander des bonbons. Non, 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 si c'est un petit, viens, on laisse quelqu'un d'autre rentrer. Parce que le petit, il va prendre juste des bonbons, genre. Va, viens, on y va, les reilles. Oh, j'ai peur. Boulangerie, pâtissier, snacking, la fourrée, Valvovienne. Tu imagines, c'est un petit, il prend une... Regardez, c'est le papa. Et le papa, avec la voiture blanche, il a envoyé un petit. Oh non, sinon, il y a un autre grand. Regardez, il y a un tout petit. Il y a un tout petit qui fait du karaté. Vas-y, rentre. Oh non, j'espère il va prendre qu'une baguette, lui, c'est sûr. Oh la psychiatrie, alors qu'il y a là les trucs. Tu penses, c'est comment, Myriam, on attend encore un client? Je sais pas. Moi, je pense qu'on attend encore un client, non? Ah, il y a un vieux qui arrive. Il y a un vieux qui arrive. Attends, on va voir, je sais pas. Nous, on attend le monsieur, non? T'imagines, il prend une baguette? Ouais, c'est sûr, le petit, il a pris des baguettes, j'en étais sûr. On a laissé passer le monsieur. On va prendre, c'est que des baguettes, j'ai rien. Et on sort de la boulangerie. On attend un petit peu que d'autres personnes arrivent parce qu'eux, ils prennent que des baguettes. On n'est pas venu que à la boulangerie pour prendre des baguettes, nous. Ouais, s'il vous plaît, on va que de temps en temps à la boulangerie. J'attends qu'il y ait une maman de famille. Viens, on va s'asseoir sur le banc, carrément. Regardez, il a pris une baguette et des bonbons. On attend là. Dès qu'il y a des familles nombreuses, on y va, ok? Ouais. Attends, il y a... Ah, eux, ils sont intéressants. Ils ont des invités à la maison. Ils vont racheter. Vas-y, on y va, viens, on y va. Attends, est-ce qu'ils vont à la boulangerie déjà? Oh non, faut salaire. Vas-y. T'inquiète, on attend, sois patiente. Là, le plan, il est simple. Il faut qu'il y a une maman qui rentre, qui a des invités, elle prend grave des gâteaux, grave des pains au chocolat, des sandwichs. J'attends là, on attend là. Avis à tout le monde, ceux qui veulent prendre des pâtisseries, c'est là-bas. C'est maintenant. Tout. Pas de baguettes. Rigole pas. Les frères, il y a une Polo qui va se garer là, une Volkswagen. Oh, là. J'espère qu'il va à la boulangerie. Depuis tout à l'heure, on attend. On y va, c'est parti. On y va. On va prendre comme lui, en plus il est bien balèze. Il est bien balèze, je pense, lui, ça va être un petit menu. Sandwich, c'est carré, vas-y, on y va. J'espère qu'on s'est pas trompé, les reilles. Ah, il est en train de regarder les sandwichs. Yes! Yes! C'est à nous de commander, les reilles. Un sandwich? Nous pouvons prendre des pâtisseries. Mais des pâtisseries. Non, il n'a pris qu'une baguette, voilà, à cause de toi. Mais vas-y, t'es chiant. Bah, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on utilise un joker et on laisse la dame nous faire une sélection. Oh oui! On fait ça? Je peux lui dire un truc. Vas-y, bah, dis-lui un truc. C'est pas de la triche, mais en vrai, il a que des baguettes. On va prendre des baguettes. S'il vous plaît, vas-y, va, tu dis. Bonjour. Passez la commande de votre choix, des pâtisseries et des bonbons. Mettez ce que vous voulez comme pâtisserie et comme bonbons. C'est vous qui choisissez. Et à la maison, c'est une surprise pour nous. Combien de pièces? Comme vous voulez. Pour deux personnes. On sort avec la commande. Viens là. Viens là, wesh. Hey, on a utilisé notre joker. Je vous présente mes excuses. Je sais que dès la première fois, on utilise, mais il y avait des gens, ils prenaient des baguettes. On va pas prendre une baguette quand même. Ça se reproduira plus, même pour la vidéo, c'était nul, des baguettes. Des baguettes, frère. T'as cru que j'allais manger des baguettes maintenant, mais ça va pas la tête. Alors là, Yacine, je t'explique. Tu vas nous insulter, mais en fait, on arrive dans la boulangerie. Il y a que des papas qui prennent des baguettes. Une baguette, ça sert à rien. Nous, on va à la boulangerie une fois tous les trois semaines. Eux, ils prennent des baguettes parce qu'ils ont tous les jours. Ils disent, c'est pas grave, demain, on prendra une pâtisserie, après-demain, etc. Donc on attend. On va, il y a un mec grave stock. Il dit quoi? Je voudrais une baguette. Un sandwich. Donc nous, on a dit quoi? Non, on veut pas. On utilise un joker. On dit à la dame, prenez ce que vous voulez, on regarde pas. Pas si on peut l'accepter, parce que c'est vrai que si vous aurez pris qu'une baguette, c'est nul. Mais en même temps, le défi, c'était faut aller prendre la commande de la personne de devant. Donc en vrai, tout va dépendre de ce qu'il y a dedans. Je vais vous dire après si j'accepte ou pas. Sim, je te promets, on a attendu grave longtemps, une heure au moins devant le banc. Non, pas une heure, t'abuses quand même. On a attendu au moins 5 personnes. Tout va dépendre de ce qu'il y a à l'intérieur. Je verrai, je ferai mon verdict après.
Vas-y, on commence par pioche. C'est quoi ça? Des bonbons. Ah, moi, j'aime pas les bonbons, je suis raciste. Je peux faire une dégustation. Elle est contente, là. Moi, je fais pas des bonbons. Elle est contente. Attends, mais j'espère qu'elle a mis... Oh oui! Merci, madame! Des M&M's. Non. Moi, je veux goûter, moi, aussi. Non, mais t'as pris tes bonbons. Des M&M's. C'est ça que j'aime pas avec toi. Bah tiens, prends tout. Tiens. Vas-y, prends les frères. Tu rends où, frère? C'est toujours comme ça, les tournages avec elle. Quand c'est sucre, elle veut toujours tout. Donc du coup, on va regarder ce qu'elle a choisi pour nous, la dame. Petite... ça, c'est... C'est pâtisserie, c'est sûr. On va commencer... Non, je veux pas, j'aime pas, c'est bon. J'aime. On va commencer par la première. On va vite fait. Oh, la masterclass. C'est deux masterclass. On dirait que la dame, elle me connaît. On dirait que la dame, elle connaît mes goûts. Alors ça a l'air incroyable. Un bon gâteau chocolat blanc. C'est pour moi ? Merci. On va le séparer en deux, les raies. Qu'est-ce qu'elle a mis hey, et si vous faisiez un mélange de la mort qui tue avec les Smarties, les bonbons et le gâteau? Pas de bonbons. Non, arrête toi. Okay. On peut mettre ça à la place. On va l'ouvrir. Tu veux mettre ça dedans? Regardez-moi ça, les mecs. Il y a quoi dedans? C'est du chocolat. Attends, je chocolat parle. Blanc. Ça a l'air incroyable. Ça me rappelle petit... Raffaello. C'est du Raffaello. Oh mon dieu. C'est du Raffaello. C'est exceptionnel. La dame, madame, je sais que dans le magasin, vous avez cru qu'on allait faire je sais pas quoi. Elle a dit, j'espère que vous allez payer tout ça. Vous avez des goûts magnifiques. Merci beaucoup pour ce plaisir. Il y a du caramel, du chocolat blanc, ça fond. Et là-haut, attends, là-haut, c'est quoi là-haut? Ah, c'est une amande. C'est une amande. Oh là 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 là. Oh my god, c'est mon gâteau préféré. Elle a mis un fraisier. Regardez, un bon petit fraisier, tiens. Un classique, hein. Le fraisier, je sais que vous allez m'insulter, mais moi, c'est pas du tout mon gâteau préféré. Moi, c'est chocolat ou chocolat blanc. Regardez, un petit fruit. Vas-y, teste, Myriam. Mais teste bien, il y a bien là où il y a la fraise. Teste bien où il y a la fraise, teste bien où c'est croquant. Je vais juste enlever ça, parce que ça, c'est... Ah. Ça ouais, se mange. Hein. Moi, ça se mange. Ah ouais. Parce que c'est un fruit, elle aime pas les fruits. Oh là là, un bon croc, ça fait plaisir. Est-ce que c'est un bon fraisier ou pas? Ça me rappelle un truc. Bah oui, les anniversaires, non? Les mariages? Ah non, c'est pas marié. Je suis bête. Ça me rappelle, on dirait que c'est pas de la fraise à l'intérieur. C'est vrai que les fraises, elles ont toujours un goût de gâteau sucré. Ouais, je sais pas si ils utilisent des vraies fraises ou c'est des fraises aromatisées. Ouais, c'est vrai. On dirait un goût de vanille un peu. Vraiment, je pense de cette commande de la dame, je pense que c'est 10 sur 10. Franchement, c'est incroyable. Merci beaucoup, madame. Vous avez fait une très très belle commande. Du coup, est-ce que j'accepte ou pas? Franchement, je vous dis la vérité, j'étais au début, je me suis dit, je vais pas accepter. Mais quand j'ai vu ça là, quand j'ai vu ce gâteau là, ça a tout changé, j'accepte. Cependant. Malheureusement, je ne peux pas accepter comme ça parce que les abonnés vont me dire Yacine, c'est pas bien. Du coup, vous allez avoir un gage, on verra ça après. D'abord, on va continuer à bien manger, on se retrouve après. Ben, par contre, il y en a pas un qui va pas manger, hein. Moi je te le dis direct. Yacine, t'as vu, c'est l'heure du gage, t'avais parlé chinois, elle veut vesquer le gage. Elle veut pas vesquer le gage, son gage il est déjà en cours là. C'est moi. Comment ça, son gage il est en cours? Tu veux savoir qu'est-ce qu'il a fait là actuellement? Ouais. Bien. Mais je suis là, y'a quoi? Tu vois ici là, qu'est-ce qui se passe? T'es là? La tricheuse! Eh oh! Je l'ai enfermé dans le placard. On sort de là, le vrai gage il va commencer. Pour ce qui est du gage, vu que Younes c'est le plus grand, c'est lui qui va assumer toutes les conneries que vous avez fait vous deux là, c'est lui qui va assumer. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Younes, tu vas faire un gainage avec Myriam sur le dos, d'accord? Mais pourquoi elle a rien elle? Parce que c'est toi le plus grand. Si c'est toi le plus grand. Si toi tu lui dis, toi t'étais d'accord. Si toi tu lui dis A, F et A, si toi tu lui dis B, F et B, donc voilà c'est toi qui va assumer. Myriam, tu vas pas me soutenir sur ce coup? Bah moi je vais monter sur ton dos pour te soutenir. Ouais, chouette. Ok, le gage il est parti. Oh, à changer les règles de mes vidéos moi, là. Moi ça me va. Ouais, mais c'est trop Myriam, t'as trop mangé, c'est pas possible. Tiens, Myriam. Mets-lui ça dans la bouche. Alors. Comment ça, c'est quoi? C'est un truc, tu vois, kiffé. Chèvre miel, tu connais chèvre miel? Oh. Voilà, chèvre miel. Voilà. Ça vous apprendra à tricher dans les vidéos. Pour le midi, on va aller chez les boss. Oh, il y a une famille, Myriam, regarde si on prend en barre que la famille. Oh yo, ça va être une dinguerie. C'est parti, Myriam, t'espères quoi là? J'espère pas avoir une pizza au Doritos. Imagine, c'est une équipe de foot et ils prennent des pizzas. Ouais, ça va être chaud. Non, regardez, c'est une famille, donc du coup, je pense qu'on va se mettre bien. On voit deux pizzas ici. On voit deux pizzas là-bas, les Rey. Un petit indice. Moi, une fois. Tu penses? Mais je pense que comme c'est une famille, on va se mettre super bien. Imagine, ils prennent une pizza au Doritos. On est arrivé chez les boss de la pizza, Pizza Time. Aujourd'hui, Myriam, explique-leur c'est quoi le délire. Alors en fait, nous, on aimerait bien commander ce qu'a commandé la personne d'avant nous. La même commande que la personne d'avant nous. On veut pas savoir ce que c'est. Tu veux une surprise en une fait. Surprise, la même. Que la même taille pas... aussi. Tout pareil, ouais, exactement tout pareil. Ça va être une dinguerie, Myriam. T'as faim? Ok.
Ça fera combien? Dire ça, 24,90. 24,90, c'est un petit indice. Moi je kiffe Pizza Time parce qu'ils sont trop gentils, je vous promets. Les pizzas elles sont bonnes, c'est délicieux et à l'accueil ils sont toujours super gentils. Donc Pizza Time franchement c'est des bons. Et Younes en hiver? Ah mais je suis plutôt classe, ça va. Moi j'ai une statue, moi c'est carré. Mais tu penses 24 euros il y aura quoi? Je pense qu'il y aura au moins 6 pizzas. Dis-toi, il y avait deux parents et un enfant. Mais il n'y a deux pas 6. Enfants. Deux enfants. Quand je vous disais que c'est un bon, il nous a offert une boisson, donc on lui a dit on veut pas voir la boisson, on va découvrir. Toi tu veux quoi toi? Moi j'aimerais bien avoir du coca. Coca, j'avoue, un bon coca frais chacal, ou sinon ouais j'avoue. Oh, Orangina. Une big bouteille. Super bon aussi. Toi tu kiffes la Fanta toi? Ouais. Bah tu vas goûter Orangina, on mais la j'ai met. J'ai déjà goûté, j'aime trop. De ce côté, alors Yacine, on rentre dans la pizzeria, on voit il y a une famille. Deux parents et je crois deux enfants. Ouais, deux bébés. Ils ont eu un total de 24 euros de pizza familiale. On va voir ce que ça donne. Attends, viens on essaie de. On parle combien? C'est avec du poulet. Avec du poulet, tu penses? Ouais, ouais. Yacine, toi, t'es un spécialiste, tu penses c'est quoi, Margherita? Je sais pas, moi, saumon peut-être. Chèvre miel! Je le savais! J'avais dit au début de la vidéo, j'espère que c'est pas chèvre miel. Mais en vrai, en ça, moi, j'aime bien. J'avais goûté l'autre fois. En vrai, ils ont mis ça? C'est des noix. Arrête d'enlever, là! Commence pas à tricher. C'est une pizza chèvre miel, C'est une pizza très très sous-cotée. Te prends la plus petite part, tiens, c'est celle-là. Je te jure, tu vas kiffer le rêve. Tu paves quand tu parles, mec. J'ai normal, j'ai faim, j'en ai l'eau à la bouche. Allez, enlever les. Attends, tes potes, laisse tomber. Bismillah. Moi, je prends ces trucs, hein. Et du bon chèvre miel, bismillah. Ouais, je kiffe. En vrai, ça passe. Ça passe, c'est extra bon. Parce que là, ils l'ont fourré, là. Parce qu'à Pizza Time, vous avez la possibilité de fourrer les bords. Non, ils n'ont pas fourré les bords. Mais en tout cas, pour cette première commande, mais les enfants, ils ne veulent pas manger chèvre miel. C'est-à-dire que celle-là, c'est pour les parents et celle-là pour les enfants. Par contre, je valide la taille familiale. Hein. Ouais. Bon, on finit de taper ça quand même. Ça, c'est un croc pour moi. Pas fou. Alors, celle-là, les amis. Là, tu la découvres pas. Oignon. Oignon, viande, fromage. Ouais, moi, je dirais que c'est une pizza au poulet. What? Barbecue viande hachée. Barbecue viande hachée? Ça tombe bien parce que c'est des pizzas qu'on n'aurait jamais pris. Oh, le truc de ouf. Mais tu vas me dire que les enfants, ils mangent ça comme pizza? Ça, c'est des commandes pour les gens, les anciens. Heureusement que moi, je mange pas, j'aurais pété un câble. Mais lui, je vous explique. Les trucs de ouf. Lui, c'est que Margherita, lui. Oignon viande hachée dans une pizza, elle est halal, celle-là. Bah, c'est super bon. Vas-y, bah goûte pour voir. On aurait pu avoir une pizza au Doritos. C'est genre. Wallah, c'est archi bon. Moi, j'aime trop les légumes, j'aime trop la sauce et la viande. Vas-y, laisse, je goûte. On dirait c'est comme ma grand-mère quand on fait les pizzas. Goûte, tu vas voir. Ah, je suis trop content du choix. Et il manque quoi dans celle-là? Des petites frites. Je me rappelle la pizza qu'il y avait à côté de chez nous. En vacances aussi, des fois. T'as vu quand tu vas dans le sud? Tu te prends une pizza comme ça devant la mer. Mais en tout cas, je suis vraiment choqué de la commande. C'est des pizzas que j'aurais jamais choisies. Mais vraiment jamais. Moi, c'est plus basse crème fraîche. J'aurais avoir déjà goûté cette pizza. C'est possible qu'on l'a déjà goûté. Donc du coup, entre les deux, tu veux prendre laquelle, toi? En vrai, je pense qu'on va faire un mix des deux. Ouais. Après avoir bien mangé, il y en a beaucoup qui se demandent est-ce qu'on a tout fini ou pas. Donc regardez, là, vous avez une boîte vide. Une autre boîte vide. Parce qu'en fait, on est à deux, mais du coup, viens voir, faut que je te montre un truc. Et aussi, on a donné deux parts à mon papa qui allait au travail. Ouais. Du coup, on a mis des dans le micro-ondes parce qu'on n'a pas tout fini, parce qu'on est quand même. Regardez, à deux. Il reste ça. Et à peu près quatre parts. Ouais. Mais vous inquiétez pas, bien évidemment, il y aura zéro gaspillage parce qu'on va tout partager ce soir. Famille, n'oubliez pas de mettre un gros like, abonnez-vous. On fera un épisode 2, je crois que c'est l'épisode 2. S'il y a 5000 likes, donc je compte sur vous. Allez, ciao!